Suban Brasta. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la playroom sur un épisode de Far Cry Primal. L'épisode 2. Je crois que j'ai déjà dit deux fois l'épisode 2. Enfin bon, c'est pas grave. Donc, Far Cry Primal, ce jeu sauvegarde automatiquement les données à certains points. N'éteignez pas votre PC, bah oui, je vais pas l'éteindre en plein milieu d'une partie, hein, c'est pas une console. Connexion au serveur d'Ubisoft, ah, c'est chiant. Si, ça passe. Hop. Parfait, statut réseau. Ah bah il y avait une erreur réseau, bon c'est pas grave. C'est normal, c'est parce qu'en fait je suis en train d'uploader l'autre épisode, du coup ma connexion est bien bouffée. De nombreux soleils voyagent. Chassé par dents de sabre, il sauve Zelda. Elle avait bien cassé un bout du caillou. Ok, maintenant il faut aller la soigner. Hop. Les voyageurs Wenja accrochent parfois des sacs de matériel dans les hautes branches des arbres. Pensez à lever les yeux pour trouver de la nourriture. J'ai pas eu le temps de lire la suite. Vous avez débloqué de nouvelles améliorations. Appuyez sur I pour trouver votre truc de confection. Des nouvelles améliorations. Sac à viande, ingrédients manquants. Pot de sanglier. Ok, amélioration au maximum, pourquoi pas. Bon. Progresser dans les missions, bah oui d'accord, c'est simplement ça en fait. Ah oui. Ah non, ingrédients manquants. Peau de Dol. Et là, la grotte de ta carnivore, on l'a pas. Et là, il nous faudrait de la peau de sanglier. Parfait. Compétence. Oh. On a des points de compétence. On en a un apparemment, c'est ça, non? Soins primitifs. Maté CTL pour récupérer une barre de santé. Plus d'options de soins sont disponibles dans les menus nourriture. D'accord. D'accord. Santé améliorée. Bah écoutez, on va attendre un petit peu avant de voir, on va voir la difficulté du jeu. Et donc, pour cette demoiselle, nous allons aller chercher un petit peu donc le système de soins classique des Far Cry, un petit peu donc d'herbe. Putain, mais c'est beau! Regardez-moi ça! Qu'est-ce que c'est? Des lianes. Eliane là-bas aussi. Elle m'avait dit donc dans le précédent épisode, elle m'avait dit que nous aurions beaucoup plus de chances de trouver de ces plantes en suivant le cours d'eau. Pourquoi pas? Ça me dérange pas. C'est joli, c'est joli. Mais bon, il semblerait que ce soit assez loin, à vrai dire. Ça, on va aller avancer un petit peu. Oh, un grappin, mais je n'ai pas de grappin. Mince. Je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus. Vous pouvez m'en approcher un petit peu. Levez la tête. J'en ai une. Ce qui va nous faire de la viande. Peut-être une peau avec. Peau de chèvre, pourquoi pas. Graisse animale, on va pouvoir faire du feu. Excellent. C'est une plante verte? Non, même pas. Est-ce qu'on peut voir ce qui se passe dans l'eau? Non, apparemment non. Qu'est-ce qu'il fuit?
Le voilà. Couché. C'était quoi ça? Peau de doll. Ah, c'était une des fameuses dolls. Peau de bête. D'accord, ouais, j'ai pu récupérer qu'une peau, j'imagine, parce que je l'ai buté avec un. Wow. Non. Non, ça va. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'il y en avait une autre. Non, c'est bon, elle va mourir. Ramasser de l'ardoise, c'est pas grave. Oh, pardon, monte. Hmm. Pour quitter la zone de mission, oui, pourquoi pas. Moi, c'est la bestiole que j'aimerais avoir, s'il vous plaît. Bon, apparemment, je n'ai pas le droit d'avoir ma propre bestiole. Pourquoi pas? Bon, bah allons-y, chers amis. Hein. J'espère qu'il n'y a pas de bestioles dans l'eau. Apparemment, ce n'est pas le cas. Bon. Je connais plus ou moins les limites des... Qu'est-ce que... Oh, ça fout les boules, ce bruit. Oui, rentrez-vous, c'est mieux. Ah merde, il m'a vu. Bon, c'est pas grave. Oh. D'accord. Je ne suis pas seul. Nous ne sommes pas seuls, chers amis. Mais la véritable question, chers amis, c'est est-ce que lui, il l'est ? Hmm. On va pas gaspiller une flèche pour un homme. Attention, l'eau ça fait du bruit, chers amis. Ils sont deux. On va attendre un petit peu. Est-ce qu'il y a plus encore d'hommes? Apparemment non. On va attendre qu'il relève la tête. Ah d'accord, fallait la relâcher. Non, couché. Il n'était pas seul. J'entends que ça hurle pas loin. Flèche en bois, peau de bête, peau en argile. Hop. On va déplacer le corps. Hop. Hop. Cueillir feuilles vertes. Il en faut 4. On fait déjà une. Ça en fait 2. Nous ne sommes pas seuls, chers amis, nous ne sommes pas seuls. Déplacer le corps, chercher. Donc ce sont des cannibales, les Oudam, bon à savoir. Chercher ici. D'accord, c'était de la viande, tout simplement. Donc je fais bien de me régénérer à chaque fois. Il y a une tortue dans l'eau. Là, il y a quelque chose aussi. Il n'y a plus de place dans ça. Donc c'était de la viande aussi, j'imagine.
Il me manque cependant une plante verte, pardon. Alors, nous sommes dans le feu de l'action. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Encore un là-bas? Il semble seul. Si je peux m'approcher par derrière, je vais pouvoir l'exécuter sans problème. Oh, alors l'ambiance sonore est épique. Hop. Apparemment, il semble seul. Bon à savoir. F! Boum! T'étais moche. Tiens. Histoire qu'on soit sûr. Hein. Peau de bête. Feuilles vertes. Plus de place dans le sac. On va récupérer toutes les feuilles vertes possibles et imaginables. Il y a une bête morte là-bas. Il n'y en a pas d'autres apparemment. Je vais aller voir la bestiole morte. C'est pas une bonne chose à faire parce que... Voilà pourquoi. Il revient. Quoi? Il va dans l'eau? Qu'est-ce que... Ouais, vous voyez? Dépecer le loup. Où est-il? Il est là. Un dol. Non. Il fuit quelque chose, hein, chers amis, hein, soyons honnêtes. Ce n'est sans doute pas moi. Mais bon, ce n'est pas grave. Ah, je pensais que ce serait arrêté pour bouffer. Bon, c'est pas grave. On va retourner là-bas. On a deux pots de dole, est-ce que ça suffit à améliorer notre... Non, il en fallait trois, merde. Tiens, on a revu du rouge sur le radar. Putain, sac! Mais vas-y, casse-toi! Sac à caca! Reviens! Mais qu'est-ce qui branle? Tiens, bouffe! Ça t'apprendra! Putain, il va me chercher deux fois, quoi! Non, mais oh! J'aurais aimé qu'il y ait un dol. Soyons honnêtes, j'aurais beaucoup apprécié un dol. Ça m'aurait permis d'avoir plus de flèches. Une chèvre. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça? 3. D'accord, intéressant. Je sais pas à quoi ça correspond, mais c'est intéressant. Allez, donnez-moi un petit dol. Non. Bon, tant pis. Tiens, bouffe. Putain, ils sont nombreux. Bouffe. Bouffe. Ils ont un archer.
Hop les. Ok, on a eu les deux. Enfin, on les a tous eu plutôt. J'appuie sur R pour recharger mon arc, c'est ce qui est complètement débile. Reconnaissons-le, où est-ce qu'il est? Là. Merci pour tes flèches. Vous voyez pourquoi il nous faut des flèches, chers amis? C'est extrêmement important. Ah, dommage qu'il n'y ait pas d'autre dole. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Par contre, c'était très, très proche du camp. Tiens, bouffe. Tu vas pas aller loin, arrête. Voilà, merci. Ok, bon. Ça se passe plutôt bien. Soyons honnêtes, ça se passe plutôt bien. Il y a une deuxième grotte à côté de la nôtre. Est-ce que c'est de par là qu'on vient? Je sais pas. Oh. C'est extrêmement mystique, hein. C'est une tanière, littéralement. Une tanière de bestioles, peut-être. D'accord, ça nous emmène ailleurs. Étrange. Je vais pas aller par là parce que c'est pas ma mission. Donc on va plutôt d'abord commencer par fuir le tutoriel avant de commencer à avancer un petit peu en mode exploration, mais... Ok. Oh, c'est joli, c'est joli. Regardez-moi ça. Hop. Ok, c'est bon, j'étais plante. Est-ce que t'es morte pendant l'heure et demie dans laquelle je suis parti? Non. Bon, checkpoint. Ok. Ça est là. Tiens, voilà tes herbes vertes. Ah, je pensais qu'il fallait les mettre sur la plaie plutôt que les bouffer, moi. Bah, merci. Ah ouais, je préfère. Ah oui, attends, la blessure elle est pas sur les... Ah. Eh, tu m'as dit d'enfoncer, j'enfonce hein. Merde, fais pas chier. Ouais non, vu la gueule de la brindille, elle va se casser dans tes dents hein, avec un peu de bol. Quel homme? Mais cet homme est une femme. Et c'est pas le doigt qu'il faut enfoncer hein. Ah, recouvre. Vous voyez, je comprends son langue, comme on dit. Warsta. Bon, je m'en souviendrai. Ok, vas-y, va voir Oros. En pleine nuit, t'as raison. D'accord. Ok. Ouais, ok, pourquoi pas. Après tout. Est-ce qu'on a des nouveautés là-dedans ou pas? Ok, on a rien. Parfait. Oui, je connais la cage de récompense, merci. Ah, c'est parce que j'ai appuyé sur tab. Oh putain, ça fout les boules. Je croyais que je m'étais blessé comme un con. Wow, mais on se calme. Ok, je suis ici apparemment. Apparemment ici on a un lieu inconnu. Par contre on pourra y chasser le sanglier, ce qui est pratique. Devant on a du dol. Donc on pourrait commencer par sanglier. Il faut en buter quelques-uns. Faut en buter deux, donc encore un plutôt. On va visiter le lieu inconnu, ensuite on va se rendre sur le terrain des dolls pour finir notre carquois. Et ensuite on verra. Ici on a quoi? Elle les donne quoi? Terrain révélé, révèle plus 50 pieds de terrain dans le menu carte. Ok. Ça c'est extrêmement pratique. Et il est débloqué apparemment. Et je peux la prendre, d'accord, ok. Bah écoute, on va le prendre.
Ok. Donc, par rapport à la carte. La carte, ça sera donc, j'imagine, là. Voilà. On va partir à l'est, ce qui correspond à par là. On va voir ce qu'on va y trouver. Hop. Non, on tombe pas. Hop, les, merci. Alors, on va avancer un petit peu, parce que merde. On a des sangliers. Putain, si je les avais vus avant, on aurait mangé du poulet ce soir. Fais chier! On a failli bouffer KFC. C'est des dolls? Non, c'est pas des dolls. Bon, c'est pas grave, eux ne m'importent pas. Eux ne m'importent pas. C'est quoi ça? C'est une cache? Ok, je pensais qu'il allait se rattraper, mais non, même pas. C'est pas cette touche là, voilà. Je peux plus. D'accord, c'était que du silex en fait là-dedans. Donc j'ai gâché une flèche, littéralement. Pourquoi pas? De l'herbe bleue. Pourquoi pas? Donc il n'y a plus de place dans l'inventaire pour de l'herbe bleue et c'est mon dernier gourdin. Bon à savoir. Est-ce qu'on peut pas justement en cas de gourdin est-ce que je peux perdre des flèches par exemple? C'est pas un arc que j'aimerais confectionner, c'est... D'accord, ok, parfait. Deux gourdins, parfait, on est full, on est full. Merci pour le silex. Et au niveau des plantes vertes, est-ce que je peux pas... Roseau, est-ce qu'on était full? Non, on n'était pas full roseau. Donc on va bouffer du roseau. Roseau rare, ah cool. Ni où qu'ils sont, mais... Tiens, un drôle de truc. De l'ardoise. Ok, pourquoi pas. Non, c'est pas vous que je cherche, les mecs. Ah bah on y arrive sur leur territoire. Ok. On va aller chasser à l'arc, sinon on va perdre de la peau, je pense. Voyons voir. Donc ça, ce ne sont pas les bestioles que nous recherchons. Ici, c'est sympa. C'est moins sympa. Ah. Comment je vais faire pour grimper? Des dolls. Des dolls. Putain, je les ai perdus. Chier. Qu'est-ce qu'ils ont bouffé? C'est pas ce que je cherchais. Ok. Voilà qu'on se fasse à l'ambiance sonore. Elle est assez... Elle est extrêmement présente en fait, tout simplement. C'est pas les bestioles que je recherche, c'est pas les bestioles de la map. Par contre, là-bas il y a un truc apparemment. Ramasser main d'Aïcha. J'ai ramassé quelque chose. Une espèce de relique qui me donne une point de compétence d'ailleurs. Ce qui en soi ne me dérange pas, hein. Permet de récupérer une barre de santé, soins primitifs, plus d'options de soins sont disponibles dans le menu nourriture. Bah, écoute, on va prendre ça, ça peut être sympa. Si manger, votre santé est pleine, soins basiques, viande. Viande plus feuilles vertes, d'accord. Ok, intéressant. Donc c'est plus un système de craft, on avait des seringues avant qu'il fallait crafter.
Mais c'est plus comme ça que ça se passe. Creux de Fadazi. Oula. Ah, moi j'aimerais rechercher un petit peu mes... mes sangliers, ce serait drôlement cool. Non, j'ai cru en voir un là-bas. Reviens. Putain, il s'est enfui. Il est mort. Ok, on l'a eu. C'est bon. Peau de sanglier. On peut donc se confectionner un sac à viande. On peut donc transporter 3 appâts, 12 portions de vent et 12 portions de graisse animale. Ce qui est génial. On peut transporter donc plus de viande. Et on peut crafter des sagas d'ailleurs. Tiens donc. C'est pas ce que je voulais faire. Ok, cool. Donc on a pu découvrir la sagae, qui est une arme normalement de lancer, une espèce de lance en fait, tout simplement. Hein. On va voir comment. Il y a des bestioles autour. Hein. Il y a même beaucoup de bestioles, j'ai l'impression. Mais bon, ce n'est pas grave. On va essayer de retourner là où nous étions tout à l'heure. Hop. Je fais un petit F5 pour une sauvegarde auto. Ok. Putain, mais j'entends. C'est des dolls. Quoi? Calme-toi. Saleté. Aïe, mais putain, mais... allez vous calmer. Je vous veux que du mal. Y'a un problème. Mais vas-y, charge-moi dessus, y'a pas de problème. Un ours. Raté. Raté. Ok. Ah la vache. Il m'a eu. Combien de coups je lui ai mis? Hein? Non. T'es pas sérieux? Ah ça m'a... Alors attendez, si je fais ça, est-ce que ça me ramène là où j'en étais? Non, d'accord, ok. Donc ça sert à rien de sauvegarder dans ce jeu en fait. Donc tout ce que j'ai fait n'aura servi à rien. Bon, c'est pas grave, on y retourne. Non, non, mais attends. L'ours, il s'est pris combien de coups dans le nez, là? Heureusement que je suis pas en difficile. Donc, il y a des ennemis qu'on pourra clairement pas battre. Hein. Mais là, franchement, je me voyais pas... Enfin, je veux dire, il s'est quand même pris plusieurs... plusieurs sagas dans le nez, quoi. Il y avait moyen de monter là-haut. Intéressant. Ok, on avait aussi récupéré normalement aussi. Voilà, une peau de doll. Merde, je me trompe de... Faut que je... Ingrédient manquant. Cèdre du Nord. Ok, pourquoi pas. De toute façon, là où on va... Est-ce que je peux pas faire ça? Non. Dommage. Donc ma bestiole a fini par mourir. Ce qui en soi n'est pas bien grave, hein. Elle est ici d'ailleurs.
On en profite. Ça nous fera un petit peu de viande. Voilà, viande x3. Mais moi, je veux retourner voir cet ours. Parce que là, on va pas être copains, lui et moi. On ne va pas être copains, lui et moi. C'est toi qui cherches la merde. Putain, même les facochères, ils ont pas peur de moi, quoi. Pumba. Quoi? Vas-y, attaque. Non mais où t'as cru? Bon, on y est. Où il est, cet enfoiré? Et la nuit tombe en plus. Ça fait pas de dégâts, c'est pas possible. Et y'a plus l'ours. Y'a un pépin. Je sais que je peux l'envoyer, chers amis, mais j'ai pas envie, ça coûte cher. Qu'est-ce que... Nuit. L'obscurité de la nuit rend le monde bien plus dangereux. La visibilité est faible et de nombreux prédateurs se mettent en chasse. Explorez pendant la nuit pour découvrir des bêtes, des plantes et des objets uniques. Enflammez les armes. Maintenez A pour ouvrir la route des armes, sélectionnez une arme et enflammez-la avec de l'arme avec de la graisse animale. Ok, on l'a eu. On se soigne. C'était un simple loup, chers amis. Hein. Je précise pour ceux qui l'auraient pas compris. Est-ce que je peux l'enflammer? Oui, je peux. Un sanglier. On y va. Dans la grotte, chers amis. Dans la grotte. Je suis pas sa première proie. Clairement pas. Il y a un symbole. Ah la vache, j'aurais pu ressortir par là. Quoi? Un petit peu trop d'eau dans la zone peut-être, tout simplement. Bon. Qu'est-ce que... Non. Ok. Donc est-ce qu'il nous affiche un quelconque objectif avec l'heure actuelle ou pas? J'y pense que maintenant, mais... Village, d'accord. Deux personnes dans la tribu, ok, pourquoi pas. Bon, bah écoutez, on va se balader. Étrange. Caisse. Feuille verte, ok, pourquoi pas. Alors, on va reprendre cependant notre gourdin. On a eu ce qu'il faut au niveau... Au niveau des dolls, ils vont pas m'attaquer. Direction le bûcher de Nakuti. Hop. Dégagez. Merci. Une peau de loup, ça fait toujours du bien par où ça passe. Littéralement. Par contre, là, c'est la mort assurée. Faut que je redescende. Il m'a vu. Est-ce que je peux? Je pouvais le faire, d'accord, intéressant. Hop. Je pouvais enflammer sa dépouille. Excellent, bon à savoir, extrêmement bon à savoir, chers amis.
Par contre, il va nous falloir assez rapidement une barre de vie supplémentaire, effectivement. Quoi? Bah alors, on a chaud au cul? On a chaud au cul? Pourquoi il y a des flammes là-bas? Il doit pas y avoir des masses de vie. C'est pas grave, c'est pas grave. On y va quand même. Il doit pas y avoir des masses de vie parce qu'il y a de la vie animale autour. Une espèce de temple. Et des ressources. Intéressant, intéressant, intéressant. Il y a de la bestiole. Hop. Ramenez-vous les filles. Non. Dégage. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voyez très très bien la nuit ou pas dans ce jeu. Hein. J'ai augmenté légèrement la luminosité du jeu exprès pour que vous puissiez être en mesure de le voir. Tu me saoules. Je t'ai brûlé une fois, je vais pas me faire chier à chaque fois. Saleté! Il revient! Non! Putain de bestiole! Hop! Du roseau! Hop! Continuons! Il nous fera pas de mal. C'est de l'autre côté. Une bestiole qui m'a vu. Hop. Je m'étonne avec la flamme que je fais. Quoi? Ce manque de bol! Je l'ai eu? T'es sérieux là? Pas me faire enchaîner non plus hein. Bestiole dans l'eau qui est à moi. Merci. J'ai plus de place dans le sac. J'ai pas réussi à récupérer le moindre truc. Bon, par contre apparemment je peux confectionner autre chose. Ici. Des pots de dole, d'accord, je peux améliorer encore ça. Ok, cool. Bon bah cool, on peut avoir plein de bouffe sur nous, c'est con qu'on l'ait pas fait avant. Et du coup on va peut-être pouvoir en récupérer sur la dole qu'on a laissée, qu'on n'a pas encore dépecée. Qui doit être par là, voilà. Merci. Pot de dole, y a pas tellement de graisse ouais, là-dessus, ouais, ça m'étonne pas. Le jour se lève, déjà? Ah dis donc, le cycle est court. On récupère un peu de bois, on a utilisé plein de trucs de bois pour... Ce n'est que moi, n'ayez pas peur. Par contre, je m'attendais à voir peut-être un peu plus de... d'ennemis humains, on va dire, parce que je suis sur leur territoire. Il y a un ours.
J'aurais juré avoir entendu un ours, pardon. Excusez-moi. Non. Tu restes au sol. Merci. Allumez le bûcher avant, afin de le revendiquer pour les Wenja. Waouh. Je ne te veux pas de mal. Merde, il m'a vu l'autre. Je l'aurais. Quoi? Peut-être pas assez fort. Alors là, ça m'a surpris de pas avoir réussi à le buter. Ah, puis il veut pas, hein. Des dolles? Qu'est-ce que bûcher? Oui, d'accord. De grandes balises qui marquent votre territoire une fois capturé, éliminez les ennemis proches et allumez ces bûchers pour vous en emparer. Les bûchers capturés donnent un lieu de repos, tenant un lieu de repos et votre cage de récompense. D'accord, ok. Donc c'est les avant-postes. Wouah! Qu'est-ce que. Non! Pas encore! Gars! Un gros gros! Eh ben, on en chie, chers amis! Bon, on va le rusher cet endroit. Une fois qu'on l'aura pris, on le gardera. Ok. Au niveau de la confection, on va se refaire des flèches. On peut pas s'en faire plus. Donc il va nous falloir un peu plus de commandes de bois. Donc on va scanner la zone pour trouver du bois. Alors je sais pas pourquoi certaines de ces bestioles créent une odeur et d'autres non. Est-ce que ça veut dire que celles-ci sont peut-être plus rares? Peut-être potentiellement plus de chance à... Non, je l'ai pas eu. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus intéressant à dropper sur elle peut-être? Je ne sais pas. On traverse. What? Alors on n'a pas le niveau pour les mammouths, hein, je le sais maintenant, je l'ai compris. J'ai fini par le comprendre. Croyez-moi. Pas des masses de bois, hein. Non, calme-toi. Calmez-vous, je m'en vais. De l'ardoise, je prends. Par contre, non, ça c'est clairement un traquenard. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Sardami, mais moi c'est pas mon genre de passer dans ce genre d'endroit. Hop, et grimpe. Bah, fais pas l'animation comme quoi tu grimpes si tu grimpes pas. Par contre, on trouve... pour une forêt, on trouve pas des masses de bois. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais bon, comme ça. Ce soir, c'est poulet au menu. Je récupère ma flèche. Enlever des plumes. Ah merde, c'est des plumes que je récupère. Je voulais manger la viande, moi. Alors, one player shoot again. Vous voyez là-bas? Je suis pratiquement certain qu'il y a moyen de monter en fait. Il y a des lianes. On va bien voir. Hein. Ah ah ah! Allez, grimpe, grimpe, Taka. Hop. Là-bas. Hop. On va y arriver. On va arriver tout en haut, vous allez voir. Ok, là.
D'accord, je crois qu'il retombe en bas en fait à chaque fois que je fais ça. Ok. Oh. J'ai entendu des voix. Est-ce que je peux monter silencieusement entre guillemets? Ok, en douceur. Oh, mais j'arrive. J'arrive par au-dessus. Oh, je vais pouvoir les sniper. Bûcher de Nakuti. Lieu découvert. Je ne vois personne. Est-ce que vous croyez que ça va marcher si je fais ça? Wouh! Ça a marché! Qu'est-ce que... Joli! Population Wenja augmentée, cool. 410 XP, bah c'est génial! Déplacement rapide, oui j'ai bien compris qu'on peut se déplacer rapidement. On verra si c'est utile ou pas. Et je vois qu'il y a donc Makash qui est arrivé ici. On peut s'y reposer aussi d'ailleurs. Trois nouveaux villageois. Est-ce que ça aide à quelque chose? Ces trois villageois, graisse animale x2. Là, je peux allumer quelque chose là non? Enflammer la flèche, ouais non pour l'instant c'est pas nécessaire. Ok. Cool. Si oui normalement village là. Et là 5 villageois, faut que je sois à 20 avant d'arriver. Ouais d'accord, il y a le temps. Ok. C'est un loup. Mais il y a danger si c'est un loup alors. S'est pris une flèche pleine tête. Du coup il décide d'aller se nourrir. Bah oui c'est logique dit comme ça chers amis. C'est stupide. Ok. Il a pas de silex. Je vais prendre le bois qui me reste par contre. Oui j'ai... Ah oui c'est vrai à chaque fois je me trompe. Hop ok c'est bon. Bon. Qu'est-ce que c'est, des bombes? Mais non il y a des bombes là, arrête tes conneries. Ou c'est de l'eau? Peut-être de l'eau. Bon. Pas grave. Bon et bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode, pour ce deuxième épisode, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam. Encore une fois, commenter quant à la qualité de la vidéo et du son, n'hésitez pas donc à me dire si la nuit ça se passe, vous y voyez correctement, ou si vous préféreriez que ce soit plus clair. N'hésitez pas à me dire si le son du jeu par rapport au son de ma voix est correct ou non, encore une fois, c'est pour votre plaisir à vous de me le dire chers amis. Donc c'était Marcus Bonus dans la Playroom tout simplement. A plus pour... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Il y a une grotte? Bah non. Comment il a pu passer par en dessous comme ça? Ou alors c'était pas... C'était un aigle? C'est un aigle? Raté. Attendez, parce que lui il menace alors. Raté. Allez, vas-y, ramène-toi, je t'attends. Ok, étrange. Étrange, chers amis. Bon, on se laisse, allez, à plus. Hop, et hop.